Good morning, Aliden Netus Roi. Aujourd'hui, lire Fouat Olevé, Israël Shimon ben Chaya Esther, Inon Chai ben Jessica, et Shmuel Meir ben Miriam Sel. Mais toi, Char Chole Israël, si vous êtes, vous êtes dès une prochaine étude de Mishnah, contre 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Psachim, Perek Aleph, Mishnah Gimel, Rabbi Yehuda Omer, Bodkin Or Arba Asar, ou Arba Asar, Shacharit, ou Beishat Abiyur. Vachacham Memorim Lo Badak. Or arba asar, ivdok be arba asar, lo badak be arba asar, ivdok betoch hamoed, lo badak betoch hamoed, ivdok le achar hamoed, ou ma shemeshayer yanichenu betzina, kedei shelo yehe tsarich bdika acharav. On s'intéresse dans notre Mishnah au moment, à quand précisément effectuer la bdika hametz, la recherche du hametz, bien sûr. La bdikat hametz, on l'a fait le soir du 14. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas cherché le hametz le 14 au soir? Sur ça, on a une petite discussion intéressante. Rabbi Yehuda Omer, Bodkin Or Arba Asar. Rabbi Yehuda me dit, tu sais, tu cherches le hametz le soir du 14, donc la veille du 14, ou Be Arba Asar Shacharit, et le 14 au matin, ou Bish'at Abiyur, et au moment où tu brûles le hametz. La Mishnah et la Gemara expliquent qu'en fait on parle, on t'a pas demandé de vérifier trois fois le Hametz, parce que tu n'as pas de Hametz à la maison. T'as dit, si tu n'as pas fait l'un, tu feras l'autre, si tu n'as pas fait l'autre, tu le feras la troisième, à la troisième borne, mais pas plus, à la différence de Vachachamim et Mamrim, tandis que Chachamim disent non, l'Obadak Orar Ba'ansar, s'il n'a pas fait l'abdikat Hametz depuis le 14, la veille du 14, Yvdok Be'ar Ba'ansar, il cherchera le 14. L'obadak be'ar ba'asar, s'il n'a pas cherché durant le 14, on a une petite phrase floue, mais pour le moment je traduis ça de manière grossière, alors ifdok betoch hamoed, il vérifiera, betoch hamoed ça peut être traduit soit pendant la fête, soit au moment du rendez-vous. Et deux interprétations, on va voir après. L'obadak betoch hamoed, et s'il n'a pas vérifié pendant soit la fête, soit le rendez-vous, eh bien ifdok l'achar hamoed, il vérifiera même. Après, il cherchera le Hametz même après, et je m'arrête là pour le moment, là c'est la dernière phrase pour après. Soit, on a Rabbi Yehuda pour le moment qui nous a dit quelque chose d'assez relativement clair, il nous a dit, tu sais, regarde, le 14, Pessah arrive, t'as la veille du 14, le soir du 14, d'accord, la veille du 14 quoi, la nuit elle commence depuis le jour commence depuis la nuit, et se finit le jour le lendemain. Donc, le Or le Arba Asar, tu commences à faire l'abdikat Hametz, si t'as pas fait l'abdikat Hametz, tu pourras vérifier encore le matin, et tu as pas fait le matin. Tu verras à l'heure du biour Hametz, au moment où tu brûles le Hametz. Donc, pas après. Et on va expliquer pourquoi, bien sûr. Sur ça, Chachamim viennent et me disent, tu vérifieras après. Il y a maintenant, le Barthénois propose deux interprétations, comment expliquer les deux bornes que Chachamim ajoute, en fait. Deux ou une. Littéralement, si on se reste sur ce qui est écrit dans la Mishnah, il y a marqué... S'il n'a pas vérifié le 14, alors il faudra vérifier même pendant la fête et même après la fête. Donc il rajoute réellement deux bornes. D'accord? Maintenant, donc ça sort que finalement, Chachamim me disent, bah, tu sais quoi, si tu n'as pas vérifié le Hametz pendant même toute la journée du 14, Pessah il est rentré, tu es arrivé chez toi, tu as été bloqué, peu importe, il y avait la corona, tu es resté bloqué. Et puis, et maintenant, t'es arrivé chez toi, finalement, à Chol HaMoed. Et ben, tu feras la bdikat Hametz pendant Chol HaMoed. Et même mieux que ça, t'as été bloqué maintenant, t'es resté bloqué, je sais pas où, pendant tout Pessah, t'arrives après Pessah, tu vérifieras même le Hametz après Pessah. Très original, c'est la vitra Chachamim, apparemment. Et on va expliquer, bien sûr, pourquoi. Ça, c'est une première lecture que propose le Barthénora, plutôt la deuxième lecture du Barthénora, qui est fondée sur le Rambam. La première lecture du Barthénois, elle est fondée sur Rashi, elle n'explique pas comme ça, elle explique non. Vous vous rappelez, Rabbi Yehuda, il a dit, je vais te vérifier soit le soir, soit le matin, soit à l'heure du biur, mais pas après. Chachamim ben te disent, tu sais, si tu n'as pas vérifié le Moed, comme dit le Barthénois, regardez, Betocha Moed, Besha Shishit, Shu Moed Abiyur. C'est pour ça que je vous ai traduit le mot Moed, ça ne veut pas forcément dire la fête. Ça peut aussi dire le rendez-vous, le grand rendez-vous, le grand événement. Le grand événement, c'est à la sixième heure, le moment où il faut brûler le Hametz. En fait, Chachamim, dans ce cas-là, il me dirait tout simplement, écoute, même si il continue, il reprenait le mot de Rabbi Yehuda, t'as pas fait le soir, tu fais le matin. T'as pas fait le matin, tu feras à l'heure du biour. T'as pas fait à l'heure du biour, tu feras les Achara Moed après l'heure du biour, durant tout l'après-midi, mais par contre, pas plus.
Pessah rentre, tu ne cherches plus de Hametz pendant Pessah. Voilà les deux manières de lire la Mishnah. On commence à expliquer un petit peu mieux de quels sont les problèmes, quelles sont les craintes. D'abord, on va commencer par là. Donc, de manière générale, il y a un axiome que si c'est bien beau de dire à quelqu'un de chercher du Hametz parce qu'il faut le brûler, parce qu'il ne faut pas en tirer profit, mais quand il va le trouver, alors que le moment, c'est devenu un moment interdit d'en manger, il risque de machinalement manger son Hametz. C'est le paramètre essentiel qui se passe dans notre Mishnah. Du coup, Rabbi Yehuda vient et me dit, tu dis quelque chose, tu cherches le Hametz tant qu'il n'y a pas encore d'interdit de le manger. Parce que dès qu'il y aura un vrai interdit minatora de le manger, je préfère que tu ne cherches pas de Hametz, que tu te contentes de l'annuler, uniquement tu as fait le bitul Hametz, tu ne cherches pas le Hametz, c'est pas la peine de le détruire, parce que si tu vas le trouver, tu vas te mettre à le manger machinalement, c'est une catastrophe. Sur ça, Chachamim, ils viennent et ils me disent, écoute, non, c'est pas vrai. C'est vrai que de manière générale, je crains que si tu trouves du Hametz, que tu vas le manger machinalement. Mais pas quand tu es en train de chercher du Hametz pour le détruire. Faut vraiment être dans la lune, quoi, pour faire une chose pareille. Tu es en train de chercher du Hametz pour le détruire, tu vas le manger machinalement. Non, il n'y a pas lieu de craindre. Et sur ça arrivent maintenant les deux lectures du Bartenora. Que, toutefois, malgré tout, Chachamim te disent, ça c'est vrai pour l'après-midi, qui précède Pessah. Mais pas pendant Pessah c'est tellement grave, que dans ce cas-là, même Chachamim vont dire, ils vont reconnaître à Rabbi Yehuda qu'il vaut mieux pas chercher le Hametz de peur qu'on va le manger. Ça, c'est la première lecture. Et j'explique un petit peu, encore mieux maintenant. Parce que, par rapport à l'interdit de consommer du Hametz, pendant Pessah, dans l'occasion de découvrir longuement, il y a un interdit de Chiyuv Karet. Celui qui mange du Hametz pendant Pessah, il est Chayav Karet. Pendant l'après-midi qui précède Pessah, il y a un interdit de la Torah, mais il n'y a pas de Issur Karet. Pendant l'après-midi qui précède Pessah. D'accord? Le moment où, à l'époque du Beth Amikdash, on offrait déjà le Korban Pessah. Nous, on n'a plus de Hametz à la maison déjà. On a brûlé le Hametz depuis tôt le matin. Pourquoi? Parce que depuis Chatzot, concrètement, on aura l'occasion d'expliquer plus dans les détails qu'est-ce qu'on fait, nous, pourquoi est-ce qu'on brûle le Hametz plus tôt et tout ça. Ce sera la prochaine Mishnah d'ailleurs. Mais en tout cas, depuis Chatzot Ayom, la mi-journée, interdit de posséder du Hametz de la Torah. Mais malgré tout, celui qui mange du Hametz à ce moment-là, il n'est pas passible de karet. D'accord? Il y a un interdit, mais pas aussi violent que pendant Pessah. Idem aussi pour après Pessah. Le Hametz Shavar alav Pessah. Il y a une discussion dans la Gemara, on aura l'occasion de découvrir cette fois-ci, je crois que ce sera au deuxième pérec plutôt. Discussion, est-ce que le Hametz Shavar alav Pessah, le Hametz qu'on consomme après Pessah, on a possédé pendant Pessah, on a transgressé. On a transgressé malheureusement. Oh, et maintenant on se retrouve avec du Hametz après Pessah. Est-ce que ce Hametz, on a le droit d'en tirer profit? Il y aura aussi des discussions. De manière générale, on tient que c'est au moins interdit d'en profiter. Peut-être Midoraita, peut-être Midarabanan, il y aura deux avis dans la Mishnah. Non, tiens, pour la Lachak, c'est que Midarabanan. Mais il y a un avis dans la Gemara, c'est Midoraita. Interdit d'en tirer profit. De là, maintenant, proviennent les différentes lectures de la Mishnah, en fait. À savoir, la première lecture du Bartenora, qui nous propose le Tzolon Chachamim, ça se passe comme ça. Le Hametz, Chachamim me disent, non, tu peux le chercher encore pendant l'après-midi. Parce que maximum, si tu le manges, c'est qu'un interdit, mais qu'il n'y a pas de carrette. Mais par contre, pendant Pessah, c'est trop grave. Je préfère pas que tu le cherches. Parce que de peur que, machinalement, le temps que tu vas le garder, et que tu vas le prendre, tu vas aller le brûler, tu risques peut-être de le manger, c'est trop grave. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, elle me dit, non, puisque tu es occupé en train de le chercher, tu ne vas pas le détruire. Et dans ce cas-là, on a un grand chidouche. Que même après Pessah, il faut se mettre à chercher du Hametz. C'est un petit peu l'enjeu, en fait, à savoir quel... On a une Mishnah compliquée, c'est fréquent. Quand on a une Mishnah compliquée, alors les Rishonim, ils vont séparer en deux groupes, il y en a qui vont plus défendre une approche, et l'autre qui vont défendre l'autre approche. D'un côté, me dire qu'il faut chercher du Hametz après Pessah, c'est un grand rideau, j'ai imaginé. Ouais, quelqu'un, pendant la soirée des moufletas à la maison, il est arrivé chez lui à la maison, avant de faire les moufletas, il va d'abord chercher le Hametz. Voilà ce qui va se passer, quoi. Il va se mettre à chercher dans toute sa maison qu'il n'y a pas du Hametz. Parce que tout ce qu'il a possédé dans le Pessah, il faut le détruire. Après, il fera les moufletas avec la nouvelle farine. D'accord? C'est original. Et ça, la deuxième lecture, et c'est comme ça qu'on retient la halakha, d'accord? Fondation de Rambam, je crois, oui, bien sûr, on le tient comme ça, puisque de toute façon, personnellement, je sais, on cherche le Hametz pendant Pessah à notre époque. Quelqu'un qui loue une chambre d'hôtel pendant Pessah, par exemple, il arrive pendant Pessah, pendant Chol HaMoed, il veut laisser se reposer, il ne sait pas est-ce qu'ils ont fait la bdikat Hametz ou pas, il va faire la bdikat Hametz avant d'entrer dans la chambre. On n'a pas dit de chercher les 10 bouts de pain, il faut qu'il ouvre les tiroirs, qu'il vérifie de partout où il peut y avoir du Hametz, qu'il vérifie qu'il n'y a pas de Hametz. D'accord? On revient sur notre sujet. Donc maintenant, on va se concentrer pour ne pas trop s'éparpiller. On va garder la deuxième explication du Bartenora, fondée sur le Rambam, qui est retenue pour la Halakha. Donc, on a Rabbi Yehuda
Donc, je récapitule. Rabbi Yehuda, il me dit, écoute, le Hametz, tu le cherches jusqu'à l'heure du Bi'our, qu'il n'y a pas d'interdit, que si au pire tu trouves du Hametz, tu le manges machinalement, tu ne transgresses pas un interdit de la Torah. Par contre, après l'heure du Bi'our Hametz, après l'heure où il faut déjà commencer à le brûler, mina Torah, qui est un interdit, quoi qu'il arrive, d'en manger, même s'il n'y a pas de riz ou carrette, Rabbi Yehuda me dit, c'est plus le moment de chercher du Hametz. Si tu ne l'as pas trouvé, tant pis, laisse-le où est-ce qu'il est, peut-être qu'il est dans un tiroir, peut-être que oui, parce que si tu veux le mettre à le chercher, tu risques de le manger machinalement. Je préfère ne pas te dire. Je préfère te dire de ne pas le chercher. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Les rabbins me disent, tu devras chercher le Hametz pendant le 14, pendant toute la journée, et même pendant Pessah, tu cherches le Hametz, et même après Pessah, tu continueras à chercher du Hametz pour voir si toutefois tu as gardé du Hametz qui n'avait pas le droit de conserver et que maintenant il est interdit d'en tirer profit. Ok? Dernière phrase de la Mishnah. « Ou mashe meshayer yanichenu betzina » Celui et ce qu'il va garder, Yanichenu Betzina, il devra le conserver Betzina de manière bien cachée. Kede shelo yehe tsarich bdika acharav, afin qu'il n'ait pas besoin de rechercher le Hametz après. Soit, on avait déjà parlé de tout ce sujet dans la Mishnah précédente, dans la Mishnah Bet, on a déjà entendu avec l'histoire de la Khulda, est-ce qu'on ne va pas craindre que la Khulda va. Que la souris elle va entrer, peu importe. Je récapitule le vel à l'alakha très succinctement. C'est que, une fois que tu as fini la bdikat Hametz maintenant, tu réunis tout ton Hametz chez toi. Tu le dans un coin. Tu veilles à ce que maintenant le Hametz qui est là, il reste là et qu'il ne bouge pas. Qu'il soit bien conservé, bien caché. Qu'il n'y ait pas une souris ou un enfant qui peut venir. Chacun ce qu'il a à la maison. Et qu'il n'y ait pas une souris ou un enfant qui va venir prendre le Hametz et le faire entrer dans les autres gens. Sinon, tu devras recommencer à faire le bdikat Hametz. Pourquoi? Parce qu'on parle, là, comme ce qu'on avait expliqué dans la mission précédente, que si par exemple tu avais laissé 10 bouts de pain, ou bien tu as laissé. Attention, il faut bien comprendre. On ne parle pas. Il y a une erreur, il y a une. Les gens s'imaginent naturellement que le bdikat Hametz, c'est chercher les 10 petits bouts de pain. C'est pas que. Le bdikat Hametz, c'est de réunir maintenant tout le Hametz qui sont dans la maison, on l'a tout réuni dans un endroit maintenant. D'accord? Concrètement, on a l'usage de mettre les 10 petits bouts de pain avec de la Kabbalah et des trucs du Arizal. Mais. Concrètement, la bdikat Hametz ne requiert pas de faire les 10 petits bouts de pain. Il requiert juste de vérifier dans toute la maison que partout où tu peux avoir du Hametz, tu l'as tout réuni. Maintenant, tu réunis tout ce pain chez toi, tu sais que tu as laissé maintenant, il va te rester, donc tu fais l'inventaire. Il va te rester 5 croissants pour demain pour donner à chaque enfant un petit peu de quoi manger, et puis 3 tranches de pain aussi, et puis tu laisses tout. Tu vérifies à bien camoufler ton Hametz. Parce que si quand tu te lèves le matin, tu vois qu'il manque un croissant. Et tu demandes aux enfants, personne ne sait ce qui s'est passé. En fait, c'est peut-être le petit, c'est peut-être peu importe. Ben, tu dois maintenant recommencer toute la bdikat Hametz. Parce que tu as eu un bout de pain qui a disparu, que tu as perdu le contrôle dessus. Tu sais plus localiser, tu sais pas ce qu'il a eu. Il s'est peut-être perdu dans la maison, tu devras le rechercher. Ce que le musulman enseigne au Maché Machayer, et ce qu'il laisse, Yannichenu Betzina, il le conservera de manière cachée, protégée. Betzina, d'accord. Et Kede Shelo Yehe. Tsarich Bdika Acharav, afin qu'il n'ait pas besoin de refaire la Bdika Hametz après lui s'il y a un morceau qui a disparu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salah.